La 26e session du Conseil des droits de l'homme s'est achevée le 27 juin. Elle a été marquée par l'adoption de 34 résolutions ou décisions. Nous pouvons dresser un bilan très satisfaisant de cette session au cours de laquelle plusieurs résolutions fortes portées par la France ont été adoptées. Je pense tout d'abord à la résolution sur la peine de mort. Il s'agit là d'une grande avancée car cette résolution a inscrit de manière durable la question de la peine de mort à l'agenda du Conseil. Des panels de haut niveau seront désormais organisés régulièrement, toutes les années impaires, à la session du Conseil des droits de l'homme du mois de mars. C'est une nouvelle étape importante dans les efforts déployés par la France dans le cadre de sa campagne pour l'abolition universelle de la peine de mort. Je pense ensuite à la résolution sur l'extrême pauvreté et les droits de l'homme. L'adoption de cette résolution, portée par la France au nom d'un groupe d'États, constitue en effet un grand succès. Cette résolution a permis de renouveler pour 3 ans le mandat du rapporteur spécial sur l'extrême pauvreté et les droits de l'homme et de réaffirmer par la même occasion notre attachement à un traitement équilibré des droits économiques, sociaux et culturels aux côtés des droits civils et politiques. Plus d'une centaine d'États ont coparrainé notre texte sur l'extrême pauvreté, dont l'adoption a été saluée par la société civile et notamment par ATD Quart Monde. Deux résolutions pays ont également été adoptées, qui revêtent une importance particulière. Il s'agit de la résolution sur la situation des droits de l'homme en Syrie, dans laquelle le Conseil souligne l'importance d'étudier les preuves collectées dans le rapport César de janvier. Je rappelle que ce rapport, qui se fonde sur environ 55 000 photos d'actes de torture et d'assassinats perpétrés, par le régime syrien dans les prisons de Damas, comporte des preuves accablantes pour le régime de Bachar el-Assad. Cette résolution sur la Syrie réaffirme aussi l'importance du travail de la commission d'enquête conduite par Paolo Pinheiro pour préparer le travail de la justice internationale. Lors de son intervention devant le Conseil, le 17 juin, Paolo Pinheiro a donné une idée de l'ampleur des crimes commis en Syrie en évoquant des centaines de noms d'auteurs présumés de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité qui figuraient dans les listes de la commission placée dans les coffres du Haut Commissariat aux droits de l'homme. L'autre résolution pays qui revêt une importance particulière, c'est bien évidemment la résolution sur la situation en Ukraine. Cette résolution appelle toutes les parties à mettre en œuvre le communiqué de Genève du 17 avril et réaffirme l'attachement du Conseil à la souveraineté, à l'indépendance, à l'unité et à l'intégrité territoriale de l'Ukraine. Voilà en quelques mots les principaux résultats de la 26e session du Conseil des droits de l'homme qui vient de s'achever. Je vous invite à présent à consulter notre site internet pour obtenir plus de détails sur le bilan de cette 26e session.